l'opportunité et le plaisir de croiser les frères Campana qui étaient en train d'animer un summer school au domaine de Bois-Bûcher. Connaissant bien leur travail, notamment dans l'architecture et dans le mobilier, tout leur travail sur la récupération des matériaux et la transformation de ces récupérations en objets utilitaires, il nous a semblé très intéressant de leur demander de faire un travail sur la porcelaine, s'inspirant de leurs travaux précédents. Au bout d'une dizaine de jours, ils nous ont tout de suite envoyé des petits croquis de ce qu'ils avaient imaginé, et ainsi qu'une maquette de bras et de jambes de poupées enchevêtrées, qui sur le coup nous a semblé très étrange, parce que nous on leur avait montré un petit peu nos savoir-faire, nos productions, ce que l'on faisait, et eux en avaient visiblement une lecture très très précise, mais qui pour nous demeurait encore un petit peu étrange. Au Brésil, septembre passé, de l'année passée, nous avons créé cette collection avec les poupées en plastique. Et c'est ça. Nous avons fait une fruitière d'abord et puis après des autres modèles. Et nous voulons toujours penser à la, pas la déformation, mais surtout au hybridisme, aux transformations génétiques que nous avons aujourd'hui. Notre travail est basé sur l'imperfection, la nobilité, rendre à la matière pauvre la nobilité en sorte de donner une seconde peau. Nous savons que la porcelaine elle est très raffinée, c'est un bijou presque. Et c'est un bijou, non presque, c'est un bijou. Opposite of Fernando, I was a lawyer. When I gave up law, I started working on clay. So this is a good opportunity to return to a process that I have started 25 years ago. So it's a kind of Disneyland for me, you know, it's a playground for me when I have all the possibilities to taste and the support of industry like Bernardo, very traditional, that knows all the techniques, that can tell me, oh, this is, you can go into this direction or not. So for me, I would stay here 1 month, just working with the hands, with the clay, you know, this kind of material, le biscuit. At the same time, I can have like Fernando told, it's a very rich material, you know, the porcelain. And it's very new for me at the same time because I worked with terracotta. I know the gestuality, but not the process of manufacturing in a large scale. Bernardo, dans ce projet avec les Campana, finalement, essaye de sortir la porcelaine de la table et de l'amener dans l'objet artistique, dans l'objet dont la fonction disparaît derrière la démarche artistique. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre maison souhaite accentuer cette évolution et donner une dimension nouvelle à la porcelaine
à travers des créations telles que celles que l'on va réaliser avec les campanas.